Alors, écoutez bien ce conseil. Chaque fois que vous avez bien envie de vous plaindre, demandez-vous d'abord ce que vous-même vous avez fait. C'est quelqu'un qui se plaignait devant son maître et qui disait qu'il ne croyait pas en l'existence de Dieu parce que le monde tel qu'il apparaît est un démenti par rapport à l'existence d'un être suprême que l'on présente comme un Dieu. Dieu n'existe pas, dit-il, sinon la terre n'irait pas si mal. Le maître l'écoute un instant et lui pose la question. Tu es sûr que Dieu n'existe pas? Bien sûr. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour cette terre? Continue-t-il. Le maître le regarde avec ironie et lui dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais il t'a créé. Il t'a créé pour que le monde ne soit plus ce qu'il est aujourd'hui. Comprenons-le bien. Notre place dans le monde est irremplaçable. À chacun, le Seigneur confie une responsabilité ou des responsabilités qu'il est le seul à pouvoir remplir. Personne ne fera à notre place ce que le Seigneur nous a confié, comme parents, comme enseignants, comme acteurs politiques, comme responsables administratifs. Si le monde va mal, ce n'est pas seulement parce que la tête va mal. C'est parce que nous tous, nous manquons souvent nos responsabilités.